Good morning, Aleiden. Tu seras aujourd'hui le Lunishmat Amram Yona Ben Chana Peggy Bat Esther Zarabat Mazaltov. Shishbortish Simon Batloni Michal Novikov aussi de Fouat Norbert Abraham Ben Fortuna Mazal Metor Shah Chol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de la Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions la Kot Perek Bet Mishnah Hey. Umechuvanot Lahen Derachin Mizolezo Sheneemar Tachinecha Derech Veshi Lashta. Umosrin Lahen Shnei Talmidei Chachamim Shema Yargenu Baderech Veidaberu Elav. Rabbi Meir Omer, אף הוא מדבר על ידי עצמו, שנאמר, וזה דבר הרוצח. On continue à parler dans notre Mishnah des villes de refuge dans lesquelles l'assassin, le meurtrier Beshogeg, sans intention, doit se réfugier. Et on apprenait dans la Mishnah présente qu'il fallait désigner trois villes en Eretz Israël, trois villes, mais Ever Ha'Erden, de l'autre côté du Jourdain, dans les terres que nos ancêtres avaient conquis, de Amon ou Moab. Et la Mishnah maintenant continue en nous enseignant « Umechuvanot lahen drachin mezo lezo » Il fallait indiquer les chemins d'une ville à l'autre. Soit, il fallait tout prévoir. Que Shenema, en fait, avec le pasuk « Tachin lecha derech veshilashta » Comme le pasuk nous dit « Tachin lecha derech » Prépare le chemin, les achin préparés, indique bien le chemin Veshi Lashta, il fallait là-bas séparer la terre d'Israël en trois parcelles et désigner au milieu, exactement de manière équidistante, désigner trois villes, de manière à ce que tout assassin, Beshogeg, qui a tué sans préméditation, puisse se réfugier de la manière la plus facile, sans se faire tuer par le Goel Adam, le vengeur du sang. D'accord? On va parler du Goel Adam d'ici peu, dans la prochaine Mishnah, je crois, dans deux Mishnayot. On va apprendre qu'il y a le vengeur du sang, les frères de l'assassin, a, selon le cas, le droit et même une mitzvah d'aller tuer l'assassin Beshogeg. Et de ce fait, malgré tout, la Torah l'a prévu, certes, elle a donné le droit au vengeur d'aller tuer, mais elle a aussi prévu que l'assassin, le meurtrier, puisse se réfugier le plus rapidement possible dans la ville refuge. Et à chaque carrefour, c'est ce que la Mishnah en fait vient nous enseigne. Il fallait bien indiquer les chemins d'une ville à l'autre, il fallait là-bas mettre des affiches, des panneaux d'indication pour dire Miklat, 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 de manière à ce qu'à chaque carrefour, qu'il n'hésite pas, qu'il sache la route à prendre pour partir le plus vite possible à la ville refuge. D'accord? En plus de ça, on devait leur transmettre aux meurtriers, lui transmettre deux talmidei chachamim. Ils devaient se faire escorter avec deux talmidei chachamim, deux érudits. Shema yahargenu baderech, de peur que le vengeur de sang va le rencontrer sur la route et va le tuer. Veidaberu elav, afin qu'il puisse lui parler, l'amadouer, lui expliquer que non, certes, t'as le sang chaud, t'es fâché. Il est fâché, on lui a tué son frère, mais malgré tout, il l'a pas fait consciemment. Il doit comprendre que malheureusement ça arrive, c'est très déchirant et désolant. Ils doivent l'amadouer, d'accord? Rabbi Meir Omer, selon Rabbi Meir, Afhu medaber al yedei atzmo. Non, c'est plutôt. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas dire le mot Af, mais juste Hu medaber al yedei atzmo. Ça vient en même. Peu importe, c'est le même principe. Selon Rabbi Meir, les talmidei chachamim qu'on lui transmet ne vont pas, eux, se soucier d'amadouer le vengeur, mais plutôt vont uniquement l'escorter, mais on va laisser l'assassin lui-même pleurer et se repentir, et lui-même demander pardon et essayer d'obtenir des excuses du vengeur de sang. Mais les Talmid Chachamim ne sont pas là pour lui parler. « Sheneemar vezet devar arotzeach » Comme le pasuk dit, il y a un pasuk qui insiste, « Tel est le statut » On a l'habitude de traduire « Tel est le statut du rotzeach, de l'assassin ». En réalité, il déduit de là qu'il faut Dvar Rotzeach, Tachin Chadar Feshilashta, c'est la suite du Pasuk, de près du chemin. Dvar Rotzeach, tel est le discours du Rotzeach, de l'assassin. D'accord? Concrètement, donc, en fait, on a ici une discussion entre Rabbi Meir et Chachamim, qui doit se soucier de parler au vengeur du sang. Vengeur de sang. Selon Rabbi Meir, les Talmid Chachamim l'escortent, mais ne parlent pas, et selon Chachamim, ils doivent parler. D'accord? Concrètement, c'est peut-être pour mieux expliquer, le vengeur de sang, en réalité, il y a trois étapes. Une étape, après que le verdict d'être condamné à la ville de refuge a été prononcé, l'assassin doit partir dans la ville refuge.
Pour le moment, le vengeur de sang n'a pas le droit, n'a pas de mitzvah de le tuer. On apprendra que s'il le tue, malgré tout, il sera patour. Ça, dans la prochaine mishnah, on va parler. Et une fois qu'il est entré dans la ville-refuge, s'il ressort de la ville-refuge, si l'assassin se permet de sortir, aller acheter ses cigarettes au kiosque à côté, eh ben, si le vengeur de sang le trouve, il a une mitzvah de le tuer. D'accord ? On apprendra ça plus tard, histoire de bien comprendre. On fait à présent le Bartenora. Au Mechovenot l'Endrachin. On devait indiquer les chemins. Chez Ayozim Adrachin, qu'il fallait tracer les chemins en Israël. Chez Yu Mechovenot l'Are Miklat. De manière à ce qu'elle soit bien indiquée et qu'on puisse bien diriger vers la ville refuge. Chez Loya Rotser Toe Baderer. De manière à ce que l'assassin ne se perde pas sur la route. Au Miklat, Miklat, Hayakatuv, Al Parashat Rachim. À chaque carrefour, Parashat Rachim, c'est un carrefour, il fallait indiquer là-bas Miklat, Miklat, refuge, refuge. À chaque fois, on était des panneaux d'indication pour dire que c'est la ville de refuge par ici. Kidesh, Hayakira, Rotser, Veifne, Lesham, de manière à ce que l'assassin puisse savoir où se diriger et y aille. Veidaberu Alav, ensuite, la deuxième partie de la Mishnah, où il fallait lui transmettre les deux talmides de Rachim pour amadouer l'assassin. C'est ce que le Barton explique. Veidaberu Alav, afin qu'il lui parle. Medabrim Lagoel Adam. Il devait parler au vengeur de sang. Goel Adam, littéralement, c'est celui qui délivre le sang. D'accord ? Comme c'est de manière, c'est métaphorique, pour exprimer que le sang, il est emprisonné dans la terre, il demande vengeance, et donc lui, il vient, il va apaiser son frère assassiné. Concrètement, on traduit ça par le vengeur de sang. Altin Hog, donc il devait dire au Goel Adam, Altin Hog Minal Shal Shofre Damim, ne te conduis pas, toi aussi, comme un assassin. Bishgaga Bamaazel Yado, par erreur, manque d'inattention, l'acte a été commis, il y a quand même, tu dois comprendre, qu'il n'était pas si mauvais que ça. Hou Medaber Aledatsmo, selon Rabbi Meir, regardez que donc, selon le Bartanora, on n'écrit pas Afru Medaber Aledatsmo, mais juste Hou Medaber Aledatsmo. Les érudits qu'on lui transmettait n'ont pas besoin, eux, de se soucier de parler, ils doivent juste accompagner. Ouais, il fallait. On finit d'abord, je vous explique un petit problème. Les d'abord, les Goladam, c'était pas nécessaire qu'il parle pour lui. Et là, il devait, lui, se défendre et essayer de l'amadouer. L'alakha n'est pas établie comme Rabbi Meir. J'avais un petit problème technique, c'est que je me suis dit, alors, si selon Rabbi Meir, les Talmid Khamim n'ont pas besoin de parler eux-mêmes. Alors pourquoi il fallait malgré tout l'escorter jusqu'à la ville refuge? En fait, la réponse elle est simple. C'est qu'ils n'ont pas de devoir de parler, certes, mais ils ont quand même le devoir de. C'est-à-dire, ils n'imposent pas, Rabbi Meir n'impose pas aux Talmid Khamim de parler, mais quand même, ils doivent l'escorter afin de. S'il y a plus de monde, le Goel Adam, le vengeur de sang, ça, lui-même ne tuera pas de manière plus évidente, plus simple. C'est ça qu'il fallait quand même lui transmettre, d'accord? On fait à présent, je voudrais juste commencer la prochaine Mishnah, étant donné qu'on a eu un cours relativement court, et que la prochaine Mishnah sera plutôt longue. La première partie de la Mishnah, elle est liée vraiment à ce même sujet. Après on va passer à un autre sujet quand même. Rabbi Yossi bar Yehuda Omer, Mishnah Vav, d'accord? Rabbi Yossi bar Yehuda Omer, Batechila, Echad Shogag, Echad Mezid, Makdimin le'are Miklat, Ubeddin Sholchin Umevin Oto Misham, Mishin Itchayev Mita Bevet Din Haraguhu. שלא נתחייב מטעם, פטרו, משנתחייב גלות, מחזרין אותו למקומו, שנאמר, ושיבו אותו העדה אל עיר מקלטו, וגומר, אהון שרת לה. רבי יוסי בר יהודה nous enseigne, jusqu'à maintenant, quand on a parlé dans la Mishnah précédente, j'ai fait attention à vous dire, à partir du moment où le verdict a été prononcé, qu'il est chayav de galut, qu'il est passible de ville de refuge, de partir en exil en ville de refuge, alors, je vous ai parlé de deux phases. La phase où l'assassin va à la ville de refuge, et ensuite la troisième phase où il risque de sortir de la ville de refuge. Mais il y a une phase qui précède tout ça, c'est depuis le moment où il tue jusqu'au moment où il est jugé. Il y a là-bas, dans les psukim, on ne va pas ouvrir les psukim pour analyser ça à l'intérieur des versets, mais la Torah insiste de manière étrange sur le fait qu'il va partir à la ville de refuge. Et de là, Chachamim déduisent une halakha très importante. C'est ce que Rabbi Yossi nous enseigne. Rabbi Yossi bar Yehuda dit, Batechila, au début, depuis le moment où le meurtre a été commis, Echad shogeg ve echad mezin, makdimin la remiklat, qu'il s'agisse
d'un meurtre, Béchogeg, sans intention, Vechad Mezid, ou encore avec préméditation. Dans tous les cas, ouais, il a mis le mauvais coup consciemment, et il a réalisé qu'il a tué. Et bien dans tous les cas, Makdimin Laremiklat, ils ont le droit de se sauver à la ville refuge. Bien sûr, quelqu'un qui a tué Bemezid avec préméditation et qui a été jugé, qui est condamné à mort, ou même qui n'est pas condamné à mort, malgré tout n'a pas de mitzvah, n'a aucun intérêt à partir dans la ville refuge. S'il va dans la ville refuge et que le vengeur de son va le trouve dans la ville refuge, il aura le droit de le tuer même là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu le droit d'être, le droit de partir en exil pour se faire expier sa faute. De ce fait, quand il rentre dans la ville refuge, il n'y a aucun intérêt pour lui, donc il aura le droit de le tuer dans la ville refuge. Malgré tout, lorsqu'il tue avec préméditation, ouais, malgré tout, quand il tue avec préméditation, depuis le moment où il a commis l'acte jusqu'au moment où il est jugé, il doit malgré tout partir dans la ville refuge jusqu'à qu'il se fasse juger par le Bet Din. C'est quand même ce qui enseigne donc, Batechila au début, Echad Shogai, Echad Mezid, Makdimin, Laram Eklat. Tous les meurtriers, avec par inadvertance ou avec préméditation, doivent se sauver à la ville refuge et seront protégés dans la ville de refuge que le frère, le vengeur, n'aura pas le droit de le tuer là-bas. Ou Bet Din Shokhin ou Mevin Otomisham. Et ensuite, lorsque vient le moment, lorsque le Bedin a récolté tous les témoignages, toutes les preuves nécessaires pour à présent le juger, alors le Bedin envoie des émissaires pour aller le chercher et le rapporter de là-bas et le juger. Et ensuite, Mishin Trayev Mitabe Bedin Haragou, s'il se faisait condamner à mort par le Bedin, parce que c'est un assassin avec preuves et témoignages, on le tue. Mishalon Itrayev Petarou. Et s'il n'est pas Chayav Mita, il a tué peut-être avec une certaine responsabilité, mais malgré tout qu'il n'y avait pas assez de preuves, et il n'est pas malgré tout passible d'exil, comme on apprenait que pour être passible d'exil, il faut tuer sans préméditation, mais ni être trop proche de l'accidentel, ni trop proche de la préméditation, de l'intention, du manque de précaution. Ouais, il fallait un cas vraiment assez restreint qu'on apprend au début du Pérec. Et donc, s'il a tué de cette manière, on l'a quitté, et le Goël Adam, le vengeur de sang, n'avait plus le droit de le tuer. Par contre, Mishini Trayev Galout, celui qui a été passible, condamné à l'exil, partir en ville de refuge, alors Mahaziri Notolim Komo, on le ramènera de là où on l'a pris, c'est-à-dire puisqu'on est parti le chercher dans la ville de refuge, on le ramènera dans la ville de refuge. Chenehemar, comme le Passouk nous dit, regardez quand le Passouk nous dit qu'il faudra, on le condamnera à l'exil, la Torah elle ne dit pas Ve tashlichu oto, otaviu oto, Elir Miklato, vous l'enverrez dans la ville de refuge. Non, la Torah nous dit Veheshivu oto, ils le ramèneront. On le ramène, ça veut dire qu'il est déjà sorti de là-bas. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Parce que justement, depuis le moment du meurtre jusqu'au procès, on l'a accompagné là-bas. Veshivu oto aeda el-ir miklato. L'assemblée le ramènera, le rapportera à la ville refuge d'où on l'avait pris, où il était parti se réfugier jusqu'au moment du procès. Et c'est tout pour aujourd'hui, il n'y a pas de bâton droit sur ça. Demain, on commencera à partir de Echad Mashuach, Bershana Mishra, Bezrat Hashem. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov Selah.